Salut YouTube! Alors, avant de commencer ce haul, je voudrais juste vous rappeler que sur Instagram, vous pouvez remporter plusieurs produits que je vous ai mis en concours. Et la dernière gamme que je vous propose de remporter, c'est cette gamme de chez Garnier. Donc c'est la gamme Fructis. Fructis, on connaît tous et toutes, je pense. Mais celle-ci, elle est nouvelle puisque c'est la Coconut Water. Donc par exemple ici vous avez l'après-shampoing, donc c'est un après-shampoing fortifiant, hydrate, adouci avec des agents adoucissants plus de l'eau de coco pour les racines grasses et les pointes sèches, et vous avez également le shampoing sans silicone, sans parabène, et la même chose pour le shampoing. Moi j'ai déjà utilisé cette gamme et franchement j'aime beaucoup. Le parfum il reste, mon cheveu il est assoupli, je sens qu'il est justement hydraté, il est tout doux, ça démêle hyper bien en plus. Moi je suis plutôt toujours un petit peu réticente quand c'est marqué qu'il n'y a pas de silicone, pas de parabène, parce que j'ai toujours l'impression que mes cheveux vont sortir hyper rêches. Là pas du tout. Ils disent que c'est pour les racines grasses, donc moi j'ai pas du tout ce problème là. Par contre les pointes sèches c'est bon, on peut valider, on y est clairement, je suis vraiment dans la cible, il n'y a pas de problème. Moi j'aime beaucoup. La seule chose c'est qu'effectivement ça sent pas du tout la noix de coco. Comme c'est à base d'eau de coco, j'aurais tendance à croire que ça allait sentir grave la noix de coco, mais c'est pas le cas. Ça sent par contre extrêmement bon. Ça sent les fruits, c'est exactement ce qu'on a envie de sentir en plus sur cette période. Et donc je vous propose de gagner ce lot sur Instagram. Checkez la barre d'infos, je vous mets tout. Check la barre d'infos. Je suis allée faire un tour chez Zara. C'est vrai que moi j'y mets pas trop les pieds, je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Jusque là je rentrais pas du tout dans les fringues, donc c'était no way. Et je me suis trouvé ce sac, alors il plaira pas à tout le monde en fait. C'est un sac un peu pochette en fin de compte. Alors c'est du simili cuir parce que je l'ai payé 29€. Et en fait ce que j'ai beaucoup beaucoup aimé, et c'est ce qui m'a vraiment fait craquer dessus, c'est les petites roses déjà que je trouvais super sympa. Mais alors le détail, oui. Ce sont des mouches. Ils se portent aussi en besace parce que je déteste, ça me saoule de porter les sacs à la main. Clairement en ce moment ça me saoule. Et vous avez une chaîne à dorer comme ça qui fait que le sac fait encore plus sympa. Je pense que vous auriez été étonnés si je vous avais fait un haul sans vous parler de chaussures, parce que vous savez j'adore ça. Et toujours chez Zara, je me suis trouvé cette paire de compensées. Alors pareil, elles sont en simili cuir, donc je les ai payées à 25€ et à la base elles en valaient 39 je crois. Donc j'ai bien aimé en fait le fait que ce soit justement du simili cuir, parce que ce type de compensant on a l'habitude de voir du tissu en fin de compte, mais là j'ai trouvé qu'elles étaient d'autant plus originales, donc avec la bride. Elles paraissent hautes, mais étant donné qu'il y a une plateforme, pareil on triche parce que finalement la cambrure du pied est plus que correcte. Et je les ai adorées, et au pied elles sont mes canons, je trouve ça hyper classe. Ça se porte avec tout ce genre de pompe, tout le monde devrait avoir une paire de compensées noires. Ça se porte avec des maxi dress, ça se porte avec des jeans, avec des pantacours. Enfin on est d'accord, c'est la paire de chaussures qui fait toujours jolie au pied, et puis qui pour autant fait pas mal en fin de compte. Donc elles sont hyper mignonnes, elles sont confortables, et ce qui m'a surtout surprise c'est le poids, elles sont extrêmement légères. J'ai fait une énième commande sur le site Debout, donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc déjà la première chose que j'ai acheté c'est ce top que j'ai vraiment aimé, parce que je trouvais que les petits détails avec des petits boutons ici c'était super sympa. J'ai jamais vu ça, d'habitude je vois, voilà, tout le monde a ce type de haut, mais effectivement j'avais jamais vu ce détail. Et en kaki justement, j'aime beaucoup le kaki en ce moment, donc je trouvais que ce haut était sympa. Au niveau des manches, c'est des manches 3/4, j'adore pour des raisons que vous connaissez déjà, je trouve ce haut tout à fait joli. La deuxième chose que j'ai trouvé chez vous, c'est le même type de haut comme ça, sauf que ce sont des manches un peu plus courtes, donc c'est toujours un haut qu'on va porter avec les épaules dénudées. Moi je trouve que c'est quelque chose qui me va plutôt bien en tout cas. Et donc cette fois-ci il a une forme un peu péplum et il est orange vif comme ça, j'adore pour l'été, je trouve ça trop classe. Et pour ce haut, ce qui est intéressant c'est au niveau de la façon dont il se ferme en fait, vous avez des espèces de petites bretelles. Alors je vais pas porter les fringues dans cette vidéo puisque c'est un haul et c'est pas un haul and try on comme on dit, voilà. Mais je vous mettrai bien entendu tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez voir ce que ça donne exactement porté. Et je vous assure que ce qui vraiment m'a fait craquer c'est surtout cette espèce de lassage qui au niveau du cou donne un truc un peu plus sympa. C'est une matière ultra fluide, ultra agréable. C'est surtout un truc que j'aurais pas besoin de repasser, donc faut quand même le dire hein, parce que ça me fait chier de repasser clairement hein. Donc voilà pour le deuxième haut. De toute façon je pense que je vous ferai des, alors soit un lookbook, soit des photos sur Instagram, mais dans tous les cas vous les verrez bientôt porter, c'est promis. Ensuite donc j'ai fait quelques achats sur le site de Bonprix. Bonprix c'est un site que je
Voilà, je commande dessus franchement depuis bien 15 ans. Facile, j'ai toujours aimé ce qu'ils faisaient, je trouvais justement que les prix c'était plus qu'abordable, la qualité correcte en tout cas. Et j'ai trouvé ce haut, donc c'est une tunique qui laisse effectivement une fois de plus les épaules apparentes et qui a cette fois-ci des manches longues trompettes comme ça, et c'est vraiment ce qui m'a fait craquer. Il est extrêmement fluide puisque là c'est une taille 44 et que je trouve quand même relativement large, et en fait donc au niveau des épaules c'est un peu comme celui que je porte, c'est-à-dire que vous avez une petite bretelle qui évite que le haut tombe, et voilà, la matière est, par contre cette fois-ci je vois que ça chiffonne, donc ça a un côté un petit peu relou, mais en tout cas la matière est quand même sympa puisque sur cette période de l'été, enfin normalement c'est vraiment ce qu'on va rechercher, c'est des trucs assez fluides qui vont pas nous coller les bourrelets là. Et voilà, et le côté manche un petit peu comme ça, bohème, c'est vraiment ce que j'ai aimé. Les petits détails comme ça au niveau de l'épaule, avec du crochet, enfin c'est tout ce que j'aime sur cette période. Et ce haut, j'ai vraiment littéralement craqué. Il me fallait un jean brut parce que c'est ce qui me manquait clairement dans ma garde-robe. Je me suis pris ce jean droit chez Bonprix toujours, donc c'est la gamme John Benner. Donc c'est un jean qui est quand même relativement élastique, et ce que j'aime beaucoup c'est les surpiqûres en fait qui sont finalement orangées quoi, et c'est ce que j'aime beaucoup dans les jeans bruts, c'est ce contraste entre le bleu, la couleur jean brut et les surpiqûres un petit peu camel. Donc il est légèrement délavé au niveau de la fesse, ce qui donne un petit truc un peu plus usé entre guillemets, mais voilà, c'est un jean classique, mais pour moi les classiques il n'y a rien de tel sur cette période, et j'aime beaucoup, je l'ai essayé, il me va super bien, et voilà, John Benner chez Bonprix, parce qu'il y a plusieurs gammes, mais la gamme John Benner elle est vraiment bien, je trouve que c'est vraiment fait en fonction des morphologies avec des formes, et j'aime beaucoup. La semaine dernière on a eu une journée où il a fait 26 degrés et où je supportais clairement pas mon pantalon qui était selon moi vraiment trop collant, j'avais chaud, j'avais même chaud aux fesses, hein. Je me disais toute la journée, j'ai dit à mes collègues, putain j'ai chaud au cul, et en fait du coup je me suis dit mais j'ai même pas de pantalon d'été, vous savez les matières fluides, et en plus c'est hyper tendance en ce moment, donc je me suis pris un truc mais pour le coup hyper coloré, hyper été, et c'est ce pantalon en fait, je l'ai trouvé super sympa, il a un aspect tropical, vous avez des feuilles de toutes les couleurs, donc celui-ci par contre il est pas élastique, il est hyper fluide comme ça et ample, et donc je le trouve vraiment sympa. Et au niveau de la ceinture, c'est élastique, vous avez pas de, enfin l'élastique est juste derrière, donc c'est hyper confortable, et je trouve que ça fait tout son effet, et même d'ailleurs quand on serre les jambes on a l'impression que c'est une robe longue, j'aime tellement, je le trouvais tellement joli, et il est encore plus joli en vrai, donc je suis super contente. Cette fois-ci je vous montre une robe que j'ai trouvée chez Boohoo, parce qu'en fin de compte je cherchais une maxi dress noire qui ne soit pas juste à bretelles, parce que les bretelles je trouve ça hyper joli, j'adore les maxi dress, on est super bien dedans, je trouve que ça a toujours un petit cachet bohème, élégant, mais mon problème c'est qu'à chaque fois je foutais des gilets ou des petits trucs pour cacher mes bras, des kimonos, et je trouvais que ça gâchait la robe en fin de compte, donc je cherchais en fait une maxi dress qui soit élégante, jolie, etc, mais qui puisse cacher ce qui me gêne, et j'ai trouvé chez Boohoo, franchement si vous connaissez pas pour tout ce qui est été, peut-être moins l'hiver, mais en tout cas en été moi à chaque fois je m'éclate dans leur collection, donc j'ai trouvé cette maxi dress pareil, hein, je veux dire il n'y a pas de surprise, j'aime trop montrer mes épaules parce que du coup ça met en valeur mon tatouage, et donc elle a quand même des petites manches comme ça qui retombent, donc vous avez l'épaule apparente, vous avez quand même l'aspect petite bretelle qui fait léger, et alors le détail qui tue pour moi c'est devant. Regardez, c'est super joli, ça fait un joli décolleté comme ça en dentelle, elle est tellement belle, et elle est resserrée au niveau de la taille, moi il faut que ce soit resserré au niveau de la taille sinon ça fait pas très joli. Je voulais juste te dire une chose, pour toutes les filles qui sont pas super grandes, tentez quand même les maxi dress. Alors il y en a qui seront bien trop grandes au niveau de la longueur, mais je trouve que c'est pas parce qu'on est petite qu'on peut pas mettre de maxi dress. Enfin ça c'est, pour moi c'est une idée préconçue. Moi je fais 1m64, je suis pas non plus extrêmement grande, et pour autant les maxi dress je trouve que ça fait très joli sur moi. Au contraire je trouve que ça m'allonge la silhouette. Donc la maxi dress,
Je l'ai prise en noir, j'avais hésité parce qu'il y a plusieurs couleurs et elle est vraiment canon parce que c'est ce genre de tenue que je me vois trop porter cet été, justement avec mes nattes là et mes compensés Zara. La fille s'est fait un look dans sa tête. En fait, dans ma tête, c'est constamment un lookbook, hein, je vous le dis. Et elle est relativement longue quand même, mais justement avec des compensés, c'est sympa. Au niveau de la matière, on est sur du fluide, on est sur une matière élastique pour le prix, tout ça, bien sûr, je vous mets tout en barre d'infos. Pour finir, je me suis pris plusieurs choses pour le sport. La première chose, je me le suis commandé sur Fabletics puisque je suis abonnée à Fabletics. Alors Fabletics, pour ceux et celles qui connaissent pas, c'est comme Just Fab, c'est-à-dire c'est la même maison, sauf que c'est pour le sport, pour les pantalons de sport, et ils font des vêtements grande taille d'une qualité mais ma, c'est une super qualité. Je le conseille aux rondes qui font du sport, parce que oui, il y a des rondes qui font du sport. Vous avez la catégorie plus size et il me semble que ça va jusqu'au 54, quelque chose comme ça. Et par contre, faites très attention parce que le principe de Fabletics comme Just Fab, c'est que tous les mois vous êtes censé commander, et si vous ne commandez pas, d'office ils vous prélèvent 49€ sur votre compte. Il faut penser avant le 5, entre le 1er et le 5 de chaque mois, à passer le mois. Donc vous allez sur le site, vous cliquez sur passer le mois et ils vous prélèvent pas. Donc ça, faut y penser. Moi, je me suis mise un rappel. À la base, je pensais pas du tout que c'était comme Just Fab et je me suis fait avoir, donc je préfère vous le dire. Mais vu la qualité des trucs, je suis super contente. En fait, je me suis prise ce legging de sport. Je le trouve juste hyper sympa. Ça change des trucs un peu noirs comme j'ai l'habitude de mettre. C'est triste et j'ai plus envie d'aller au sport avec des trucs tristes. J'ai envie de m'amuser aussi au niveau de ma tenue. Et donc, je l'ai pris dans les teintes noires, blanches et bleues. La qualité est super. C'est suffisamment épais pour maintenir votre corps quand vous courez, quand vous faites du sport. Parce que si ça bloblote, on est d'accord, c'est pas très agréable. Ça vous rappelle juste que vous êtes une grosse dinde. Et voilà, donc pour celui-ci, ça taille super bien, la qualité elle est top, on peut pas dire le contraire. Par contre, c'est très cher pour des vêtements de sport, ça je vous le cache pas. Mais étant donné que je me suis fait niquer d'un mois parce que j'ai oublié de passer le mois, bah j'étais bien obligée de prendre un truc, tu vois. Et du coup, je suis super contente en fin de compte parce que j'avais besoin de vêtements de sport sympa. J'en ai un deuxième d'ailleurs de chez Fabletics et c'est pareil, je l'aime beaucoup. J'ose un peu moins le mettre parce qu'il a Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Il y a des trous au niveau du mollet et déjà si t'es pas épilé, t'oublies. Et de deux, tu peux être un petit peu gêné parce que ça donne un effet rôti de porc, hein, clairement. Donc voici pour ce pantalon de sport. Et j'en cherchais un également sur Bon Prix pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que bah on va pas toujours mettre 50 balles dans un pantalon de sport, entendons-nous. Le voici. Il est magnifique, mais je pense que tu vois ma décision. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai commandé une taille 48 et je me retrouve avec un 52-54. Donc ce pantalon est neuf. J'ai clairement la flemme de le renvoyer à Bon Prix. Il m'a coûté 14,99€. Si ça intéresse l'une d'entre vous, franchement, dites-le moi, je vous le revends parce que ça me fait juste chier de renvoyer ça à Bon Prix. Il est tout neuf, hein. Il y a encore l'étiquette et tout. Je me suis vite aperçue qu'il était trop grand quand j'ai vu la taille. Je l'ai quand même essayé au cas où sur un malentendu, parce que des fois ça taille très mal, mais c'est pas possible. Je vais perdre mon pantalon en courant, donc personne n'a envie de voir ça. Et bah, il est quand même sympa, quoi, faut dire ce qui est. Alors c'est clair que quand je compare la matière entre un truc qui coûte 50€ et un truc qui coûte 15€, il n'y a pas à chier. C'est clair que Fabletics, c'est quand même une super qualité. Voilà, ça dépend ce qu'on a envie, de ce qu'on a envie, ça dépend de son budget, ça dépend de beaucoup de choses, mais forcément c'est pas la même chose. Mais il était tellement joli en aztèque comme ça m'a saoulé qu'il se soit planté là. Pour le sport, toujours, il me manquait en fin de compte une brassière de sport, parce que j'aime pas faire du sport avec mon soutien-gorge que j'ai porté toute la journée et qui me comprime la poitrine, et c'est voilà, c'est pas très confortable. Donc je m'en suis pris un, toujours avec plein de couleurs, sur le site de Bon Prix. Et donc le voici. Donc c'est une brassière de sport. Alors il n'y a pas d'armature, donc ceux et celles qui ont beaucoup de poitrine, je suis pas sûre que ce soit l'idéal. Je pense qu'il vous faut plus peut-être une brassière qui maintienne plus, ou qui ait une armature, parce que là c'est de la qualité, enfin c'est de la matière maillot de bain, ouais, c'est du nylon. Et elle est trop belle cette brassière, je la trouve trop jolie. Personne va la voir clairement, parce que je suis pas du genre à me mettre en sous-vêtements devant des nanas que je connais pas, et cela même si je vais à la salle only girl. Moi, non, c'est pas possible, je suis bien trop pudique. Et ben, j'avais besoin d'un truc comme ça, et ça me donne encore plus envie d'aller au sport, d'avoir des super fringues, un super top. D'ailleurs, ça va pas du tout ensemble, hein, mais qui s'en fout, moi. Toujours dans le sport, j'avais besoin d'un t-shirt de sport, et cette fois-ci, je me le suis pris chez Bon Prix. Alors, c'est un t-shirt on ne peut plus simple,
Et comme d'habitude, je l'ai pris trop grand. Voilà, mais ça pour le sport, ça me dérange pas au niveau du t-shirt, au contraire, ça me collera pas. Donc il a des manches un petit peu chauve-souris. C'est un col V et ma foi, bah, c'est un t-shirt noir classique. Hein. Mais pour le sport, ce sera vraiment très très bien. Il sera suffisamment ample en tout cas pour que je sois agréable, enfin bien dedans. C'est un t-shirt classique et d'ailleurs quand je l'ai reçu, comme la qualité est pas dégueu, je me suis dit tiens, c'est même le style de t-shirt que je pourrais porter au quotidien en fin de compte, dans une autre couleur ou même en noir d'ailleurs. Donc voilà. Voilà pour ce haul, j'espère que ça vous aura plu. Tout est en barre d'infos si vous voulez checker les choses que je vous ai montrées en vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite sur les réseaux sociaux. Bye bye.